Vous avez cru qu'il avait abandonné. Vous le croyez mort. Mais non, il refait surface. Il essaye de refaire surface. Avouez que cette intro était digne des plus grands acteurs hollywoodiens. On est d'accord. Et oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas abandonné. Je suis toujours là. Je refais surface. Je revis. Bien entendu, tout ça grâce à la force que vous m'avez laissée dans les commentaires. Mais cette fois-ci, je fais pas le fou. Je redémarre avec un coffre bonus. Ouais, faut pas déconner quand même. Et je suis tellement une pince, mon vieux, que je vais même ramasser le coffre avec. Et puis les torches aussi. Et c'est pas la meilleure nouvelle, parce que vous savez quoi? Eh bah, figurez-vous que si je me retourne, je suis à côté d'un village. Comme par hasard. Je vous jure, j'ai lancé la partie comme ça. Pef, j'ai spawné à côté d'un village. Alors les gens, aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous allez bien. Et nous sommes aujourd'hui en mode survie classique. Alors classique, je mets des guillemets, oui et non. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on est plus ou moins en hardcore. Si vous voulez, on n'est pas dans le mode hardcore même. On est en survie banale. Mais par contre, on va être hardcore parce que j'ai mis pas mal de modes. Notamment ce petit chat et cette petite abeille qui fait un bruit très chelou au passage, on est d'accord. Donc oui, j'ai mis des petits mods. J'ai dit non, je pouvais pas rester sur une fin comme ça. Franchement, c'était pas possible. Écoutez, on va dépouiller le villageois déjà. Voilà, on va ramasser tout ça. Donc là, cette fois-ci, on recommence l'aventure avec des mods. Ça risque d'être encore un petit peu plus chaud, un peu plus tendu cette affaire. Mais vous inquiétez pas, on va survivre. En tout cas, vraiment, merci pour toute la force que vous m'avez donnée dans les commentaires. Vous étiez nombreux, nombreuses à me dire « Mais non, Jola, tu peux pas rester sur une fin comme ça, c'est pas possible. Reprends la survie, régénère ta map et tout. » Le problème, c'est que j'étais en hardcore, les gens. C'est-à-dire que si je perdais, ma map était morte. J'avais plus qu'à tout supprimer et aller me coucher. Cette fois-ci, on est en mode survie basique. Donc, je dis basique, mais vous allez voir que j'ai mis des modes et tout. Ça va être quand même très hardcore. Ça se trouve, ça va même être plus hardcore que le mode hardcore en lui-même. Et vraiment, les gens, si vous voulez qu'on aille le plus loin possible, si vous me soutenez, si vous êtes derrière moi pour cette série, vous mettez un like sur la vidéo, les gens. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça mange pas de pain, bien entendu. Et au moins, je vois que vous êtes chaud pour la survie Minecraft. Parce que je peux vous dire que moi, je suis chaud de ouf. Un truc de malade. Eh ben mon vieux, j'ai déjà tout désherbé là-dedans. Ben oui, ben il va replanter, ça va aller. Bon, cette fois-ci, on va pas se faire avoir. On va passer quelque part par ici. Alors la dernière fois, il y a des gens qui m'ont dit « Mais oui, mais pourquoi tu construis pas ta base dans le village et tout ?» Non, je veux mon indépendance. Je ne veux pas vivre au chevet de braves villageois. Bonjour, mon petit villageois. Alors, ah bah mon vieux, par contre, un truc qui a pas changé. Mode ou pas mode, survie ou pas survie, qu'est-ce qu'ils sont chers, mon vieux, ces salauds. Bon, on a un puits ici. Y a-t-il... Ah, voilà, la forge. La forge, on l'attendait, elle est là. Oui, cette fois-ci, je ne vais pas passer à côté du coffre, bien entendu. Écoutez, je prends les deux, hein. Voilà, de toute façon, ils en auront pas besoin. Hein. Au pire, il refera des coffres. Ah, ouh, y a des trucs moins intéressants que ce qu'il y avait la dernière fois, mais on a quand même une épée en fer. C'est tout de même pas négligeable. Ah oui, regardez. Faut que je vous montre aussi, j'ai mis un petit mode, regardez mon inventaire. J'appuie sur la molette, crac, et là, il se range tout seul. Franchement, si ça, c'est pas cool. Alors, ok, ici, ça fait la causette. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se casser de là. Hein. Bien entendu, petite survie avec les shaders. Hein. Toujours, moi, c'est ce que je préfère. C'est normal qu'il y ait un cratère ici. On va remonter par là. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ouh, bah attendez. On va se régaler 2-3 secondes, voilà. Écoutez, déjà, on commence bien l'aventure, j'ai envie de dire. Un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire juste à côté d'un village. Mais cette fois-ci, vous allez voir que plus ça va aller, plus les jours vont passer, plus je vais acquérir du skill. Et ça va bien se passer, je pense. Il est chelou, leur village, il est à moitié tout pété, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ok, on se casse de là, les gens. Ouh, bah attendez, mais il y a les carottes à foison là-dedans. Écoutez, les gens, je pense que ce soir, on va se faire un petit abri et tout, et on va se faire un petit velouté de radis. Ah non, de betterave. Un petit velouté de betterave. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit like si vous voulez qu'on fasse un petit velouté de betterave, bien entendu. Bon allez, on se casse de là. On se casse de là, en plus ça va faire nuit. Alors je peux vous dire que je vais pas trop faire le malin parce que, à mon avis, y a des créatures et tout. Moi je sais pas. Hein. Moi j'ai pris les modes, j'ai cliqué. J'ai cliqué partout, j'ai tout téléchargé, mon vieux. J'ai fait copier et coller. Et qui vivra verra, hein, comme on dit. On verra bien ce qui se passera, ce qu'il y aura. J'en ai aucune idée. Voilà, du charbon, ça c'est bon pour commencer. Ça, c'est un bon début. Ouh! Alors, je sais ce qu'il faut pour le début. Je sais ce qu'on va faire. Direct, faut qu'on se trouve une grotte. Déjà, de toute façon, là, on va creuser. On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix parce qu'il va faire nuit. Faut qu'on se mette à l'abri à tout prix. Nouvelle recette, bloc de charbon. Yes! Miam, miam. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ouh! Regardez. Oup, oup, oup. Écoutez. Écoutez. Attendez. Je prends pas de risque. Mon vieux. Non, parce que je peux vous dire que je crois bien qu'il y a des loups-garous et tout. Enfin, je vous raconte même pas, mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai téléchargé tellement de trucs. Ok, d'accord. Là, ça commence vraiment à faire nuit, quoi. Progrès réalisé. L'âge de pierre. Ah, yes. Ça, c'est cool.
On va descendre tranquillement, les gens, dans la grotte. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut se faire. Alors aussi, les gens, je vous spoil vite fait, mais va y avoir deux survies sur Minecraft. Deux séries, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura la survie modée en hardcore, si on peut dire ainsi. Ouais, c'est du hardcore, mon vieux. On peut dire qu'avec les mods et tout, les loups-garous, si ça, c'est pas du hardcore, je m'y connais pas. Donc, va y avoir celle-là. Ça va être une survie solo, juste vous et moi. Et va y avoir très prochainement, très très prochainement, là, ça va arriver très vite, une deuxième survie sur Minecraft qui va se lancer. Mais ça, c'est un projet déjà de longue date. Ça fait déjà quelques mois qu'on est dessus, en fait. Enfin, pas moi, mais plutôt Alexandre et toute l'équipe. D'ailleurs, je leur fais des grosses dédicaces, les gars. Vraiment, c'est cool. Ils ont fait un travail monstrueux. En fait, si vous voulez, ils ont fait un serveur modé. Mais ils ont pas fait un truc... ils ont pas fait un serveur modé. Ils ont fait un serveur modé. Ils ont fait un bon truc, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Et du coup, ce serveur va être ouvert pour la communauté. Donc, vous pourrez venir jouer avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous sur le Discord qui est dans la description. Vous serez très bien accueillis, pas de souci. Tout le monde est sympa sur le Discord et tout, ça discute bien. Et puis, vous demandez gentiment si vous pouvez rejoindre le serveur Minecraft. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein. À mon avis, je demanderai à Alexandre s'il peut mettre un petit salon, justement, pour le serveur mondé Minecraft. What? C'est pas vrai? Dis-moi pas que j'ai déjà pu ma pioche, quoi. C'est pas grave, on va faire un établi, les gens. Regardez, à la rescousse. Voilà, le petit établi, bien sûr. Et, ah, c'est dommage, quoi. On n'a pas de... On n'a pas de fer. Donc déjà, petite pioche, ça, c'est cool. On va se faire également une petite hache, bien entendu. J'ai envie de dire que c'est le B.A.B.A., c'est la base. Bon, les shaders, vous voyez que là, il fait complètement nuit dans le jeu. Voilà, en plus, on est dans une grotte. Et vous voyez que franchement, ils sont parfaitement clairs. Hein. Moi, je les aime bien, ces shaders. Hein. C'est vrai que bien souvent, vous me disiez, oui, mais dans les grottes, on voit rien avec les shaders et tout. Là, j'en ai pris un, vraiment. Voilà, il est bien. Hein. D'ailleurs, on m'a demandé, c'est quoi le shader et tout. Je vais vous montrer vite fait. C'est lequel? C'est celui-là. BBEPC, voilà. Franchement, il est bien cool, quoi. Oh, écoutez, écoutez, écoutez. J'entends de la lave, j'entends de la lave. Donc, on est couche combien? On est couche 38 seulement. Bah, on n'a pas fini de descendre. Hein. Oh, oh, oh! Wow, vous voyez? Attendez, on va rebouger ça, tranquille. Voilà, et on va avancer plus par là. Je creuse, je creuse. Alors, pour vous dire, ça fait un petit moment que je creuse, hein, comme vous pouvez le constater. Et là, je viens de découvrir... Waouh, alors ça, c'est super... What? C'est quoi, ça? Je t'ai chargé ça, moi? Attendez, je vais me faire niquer. Surtout que je suis pas équipé, les gens, je suis pas équipé. Faudrait que je me fasse des armures et tout. Ça se trouve, ça attaque pas. C'est quoi, ça? C'est une sorcière? Non, non, je vous dis, je prends pas de risque. Je ne prends pas de risque. Bas des rétros, Satanas! Qu'est-ce que c'est que ce machin, mon vieux? Ça pique si je fais ça? Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Je prends plus de risque, je prends plus de risque, les gens, je prends plus de risque. Attendez, j'ai quand même la ferraille, hein. J'ai la ferraille là-bas. Je régène un petit peu. Retourne chez toi, monstre des cavernes! Prends ça dans la gueule, mon vieux! Je vais le niquer! Non, il va me niquer, il va me niquer, il va me niquer, il va me niquer, il va me niquer. Il arrive. Mais vas-y, mais... Mais gros, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Casse-toi, putain! Mais dégage! Non, non, franchement, ça compte pas. Si je meurs là, ça compte pas. C'est quoi ce machin? Attends, c'est pas RP, ça. Non, non, il a pas le droit d'être là, lui. C'est quoi, ce machin? Moi, j'ai pas mis des trucs comme ça, moi, si. Je vais faire un mur. Voilà. Tu restes de ton côté et tu viens pas, gros. Non, mais attends, c'est quoi, ce bordel? Écoutez, on va ramasser le charbon et tout. On va se mettre bien. On va peut-être faire une petite grillade avec la viande qu'on a pas. Ça pourrait être sympa. Oh, c'est quoi, ça? C'est bleu? C'est du diamant, ça? Ah non, c'est du lapis-lazuli, ok, d'accord. Oh, bah, quoi que tu me diras, ça pourrait être sympa pour enchanter les armes et tout, ça va nous servir un petit peu plus tard. J'ai même pas pu ramasser la ferraille, il y avait l'autre derrière qui me suivait et tout. Ok, on continue, on avance. Ouh, regardez, je sais ce qu'on va faire. Voilà, je vais mettre des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a moyen que j'arrête cette coulée de lave, là? Je pense que là, ça va l'arrêter, là. Deux secondes. Ça l'arrête, yes, impeccable. On va récupérer le truc parce que j'ai vu de la ferraille derrière, là. Ouh! Ne serait-ce pas de l'or qu'on a derrière? Mais je crois que ça va être mort pour la récupérer, du coup, parce que... Ouais, bah oui, bah de toute façon... Ouh, c'est quoi, ça? Ah bah, c'est rien, d'accord. Ah, ça se trouve, c'était un minerai que je pouvais piocher juste avec la pioche en fer. C'est possible, hein. D'ailleurs, je pense qu'on va s'en faire une pioche en fer. On a de la ferraille, là. Ça va être parfait, on a du charbon, on a tout ce qu'il faut un petit peu. Allez, viens. Regardez, regardez, il fuit, hein. Tu fuis, hein. Ah, je l'ai eu. Ah, je me casse. Putain, mais il y a trop de monde là-dedans. Mais sérieux, c'est pas possible. Ça démarre très mal, hein, les gens, là, je vous le dis. Hein. C'est mal barré, cette affaire. Positive attitude, on va y arriver, on va y arriver. On va mettre un peu de ferraille ici. Voilà, regardez, nickel, impeccable. Ah, puis attendez, mais non. Bien sûr, positive attitude. J'ai encore des carottes et tout, j'avais pas vu. Ah bah ouais, mais en fait, c'est bon. On va niquer tout le monde. C'est bon, ça va aller.
J'avais pas vu que j'avais tout ça. Alors juste, je prends ça parce que... voilà, c'est du lapis lazuli. Bah, je confonds un peu avec le diamant, mais non, non. Bon, allez, fais péter la ferraille, mon vieux, là. Ok, nickel, on prend ça. Parfait, de la ferraille ici. On va pouvoir se faire... qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, vas-y, dis-moi. Tac, tac, tac. Yes. Ok, ça, c'est cool. Putain, je suis déjà blindé dans mon inventaire. Attendez, regardez. On va mettre un petit coup de rangement. Crac. Impeccable. Ah, franchement, je l'aime bien, ce petit mode. Il est bien. Attendez, il y a de la ferraille juste au-dessus. Voilà, tout ça, on prend. La chance que je viens d'avoir. J'ai failli me prendre une chier de gravier sur la gueule. Mais... c'est quoi ça? Oh non! Ouais, yes! Putain, yes! Oh putain, le chat, il a eu peur, pardon. Le chat, il a eu peur. Ah bah pardon, mon petit chat, j'ai pas fait exprès, c'est que j'étais content. Désolé. Non, non, eh, franchement, c'est lui qui m'a niqué la dernière fois. C'est lui qui m'a niqué la dernière fois. J'ai eu ma revanche. Désolé, je parlais pas pendant le combat, mais concentré. Je suis concentré à mort pour battre un mini-zombie, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais devoir me battre contre des boss, quoi. Je ne sais pas. Bon, écoutez, tout s'est bien passé, hein. On va manger 2-3 carottes. What? C'est quoi ça? Il y a un dragon, il y a... Non, laisse tomber, mais laisse tomber, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Vas-y, je vais partir par là, ça a l'air safe. Oui, c'est comme ça, GG. Je vais me faire un petit bouclier, ça, ça va être cool. On va mettre ça ici, voilà. Là, déjà, tu vois ce que je veux dire? Là, je me sens un peu plus... je me sens mieux, là, déjà, là. Voilà, tu vois, je suis encore mieux que la dernière fois, là. Voilà, impeccable. On se fait un petit stack de torches, c'est parfait. Voilà, maintenant, on peut avancer, nickel. Donc, on a... Alors, c'est quoi, ça, par contre, ça? Du Pedro, je sais pas quoi. Péridot. Du Péridot. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est dû au mode que j'ai installé ou... Ou alors, ça existe depuis la nuit des temps et j'ai jamais fait gaffe? Ah, je peux vous dire, les gens, que Last Survie, ça va être l'aventure... L'aventure, mais complète, quoi. On va visiter des temples, on va aller dans la jungle, il va y avoir des lions, des tigres, j'en passe, et des meilleurs. Des crocodiles, si on voit jusqu'ici. Bah, j'ai de grands projets, en tout cas. J'espère bien, hein. Voilà, il manquerait plus que je me casse la gueule là et que l'aventure, elle soit finie. C'est tout à fait possible! On va y aller comme ça. Voilà. Voilà, on y va astucieusement, judicieusement, calmement. Voilà! Et bah voilà! Alors, c'est parfait, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Champignon luisant. Ah ouais? Oh, écoutez. On va peut-être pouvoir faire des trucs cool avec ça, non? Bon, on va continuer à creuser. On a la couche combien, là, déjà? On est... ah ouais! Ouais, 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 ouais! On va peut-être tomber sur du diamant, les gens, hein? Oh, déjà, j'entends de l'eau, hein? J'entends de l'eau, j'entends de l'eau, j'entends de la lave. J'entends un peu des deux, en fait. On va remonter légèrement, quand même. Voilà, on va tenter de... Oh, c'est quoi, ça? What? Oh, regardez! Ça, c'est du diamant, par contre, ça. Yes! Excellent. On se met pas trop mal, là. Ah non, non. Par contre, attends. Je vais virer un truc pour le diamant. Merde. Oh, je vais virer... non, pour les graines de blé. Non, non. Ah bah, je vais virer ça. Voilà. Écoutez, on va s'aventurer par là. Pas trop non plus, parce que j'ai l'impression que ça va être chaud. Bon, pour l'instant, on s'est pas fait de base. On n'a pas de point d'accroche. J'ai envie de dire que là, c'est vraiment l'aventure. Et c'est quoi, ça, là-bas? C'est de la lave, hein. De la lave, de l'eau... Oh là 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 là, la crevasse. Je sais ce qu'on va faire. On va mettre ça de côté. Tac. Voilà. Ça craque. Regardez ce qu'on va faire. Déjà, on va se faire un saut pour commencer. Ça, c'est nickel. Par contre, je vais vraiment manquer de place pendant un moment. Au pire, je vais me débarrasser. Je vais me débarrasser de ça pour l'instant, là. Les champignons luisants, là. J'ai l'impression que ça sert pas spécialement à grand chose. Et je m'en débarrasse, mais il revient. Voilà. Je laisse ça là. De côté. Nickel. Le temps que ça cuise, je vais aller voir là-bas s'il n'y a pas des trucs à farmer. Pas grand-chose dans le coin, on retourne au four. Ah bah, regardez-moi ça. J'ai l'impression que ça a fini de cuire tout ça. Ah, mince. Ah bah non, pas mince, c'est bon. Donc là, on va pouvoir se faire un petit... certainement un petit plastron. Comment que c'est le plastron déjà? C'est comme ça, hein? Ouais, putain, il n'y a plus de place du tout, ça, truc de fou, quoi. Attendez, je vais remplacer par ça. Voilà. Ça, on dégage. J'ai le plastron, on va se faire également, on va se faire les jambières que je vais remplacer par ça. On va se faire les bottes. Alors attendez, 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 attendez. Voilà, comme ça je vais gagner de la place.
plutôt que de jeter des trucs. Ah non, mais je m'en fous de ça. Non, 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 dégage. Et puis après, je pense qu'on va remonter parce que là, vraiment, dans l'inventaire, c'est la cohue. J'ai plus de place. Bon, on se fait un petit casque en or. Tac, voilà, nickel. Casque en or, yes! Petit bouclier, petit plastron en fer, petit casque en or. Oh, comment qu'on s'est mis bien, là? Écoutez, on va se faire une petite pioche en or. Alors, je sais, oui, les outils en or, c'est nul, machin, nana, c'est mieux, la ferraille. Mais j'ai que ça, les gens. J'ai que de l'or, là. Là, pour le moment, j'ai que de l'or. Et franchement, je suis sûr que c'est pas trop mal. Par contre, apparemment, c'est pas solide, les pioches en or. Donc, attendez, j'ai jamais testé, en plus, je crois bien. Vous êtes des oufs? Ça marche bien, franchement. Ah, par contre, ça s'use très vite. Ça s'use très, très vite. Je suis d'accord avec vous. Extrêmement vite, même. Elle est déjà quasiment pétée, mon vieux. Oh, putain. Salut. Je ne faisais que passer. Voilà. Oui, effectivement. Alors, elle marche très bien. Franchement, elle va même encore plus vite que la pioche en fer. Par contre, elle s'use extrêmement vite. Je suis entièrement d'accord. Et nous, ce qu'on va faire, les gens, c'est que là, on va remonter. Tranquillement. Voilà. Je vais prendre ça. Tac. Allez, let's go. Oh, le bâtard. Le bâtard, c'est quoi? Nous voilà à la surface, putain. C'est quoi, ça? Attendez, attendez. Je me casse, je me casse. On se casse de là. On se barre. Merde. Ok. On est dans la merde. Attendez, je me fais attaquer par la sorcière. C'est quoi, ce machin? Prends ça dans la gueule, mon vieux. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, mon vieux? Écoutez. On va se mettre gentiment dans cette grotte. Bon, écoutez, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Minecraft survie modée. En tout cas, vraiment, eh ben, on est plutôt bien stuffé pour un début de partie, j'ai envie de dire. On est... Ouais, j'allais dire, on est mieux que la dernière fois encore, mais... on est quasiment pareil. Bon, la dernière fois, j'avais mon épée en diamant, ma pioche en diamant, mais là, je suis pas loin non plus de l'avoir. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour la suite. Et ciao tout le monde, bye bye !